capitre là dans ce passe. La chanson est nice, souvent dans laquelle n'a jamais vu le tube à 2x4. Et là, Paco a enlevé son dernier chef. Et Paco de 94 voudrait bien un jour battre Sylvain Paquette. Mais en 4x4, Paco nous a donné toute une course ce matin. On va le voir en finale. Il y a beaucoup de 4x4 en finale. Après les yeux aussi. Et là, regardez, allez nos 2x4. Le circuit s'en vient de mieux en mieux. Championnat de course de Top Stack, parce qu'on a, oui, quelques classes, on a une classe de Bazou, mais toutes les autres, regardez, on a de l'action dans toutes les classes, oui, il y a des véhicules avec moins d'argent investi, mais il y en a d'autres qui mettent l'argent dans le véhicule. Regardez le 20-02, le choix de la même époque, c'est l'histoire. Et là, Sylvain Paquette, lui, il pense pas ici dans la terre. De 176, toutes ses qualifs, toutes ses finales l'année passée, en 2017, il les a toutes remportées. Il y a Paco qui a réussi à y faire un peu de compétition. Et là, la maison du Prolard, avec la Zanette 72. Il n'en faisait pas des plus gros modèles que ça, je pense. C'est pas mal dans le max. Selon moi, c'est Mathieu Drolet de 6,85. Oui, le renard. Oh là là! Les roues ont décollé, c'était juste nous, là, je l'entends crier dans le sac. Il y a juste une roue qui chantait dans la grosse salle. Sylvain Paquette, la France les 16, avec le 3 de la journée. De l'équipe Poulette.